Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait une tour sur la carte Land vers Canal, version 1.31. Ouais, c'est ça, c'est une carte assez grande. Je sais pas si c'est compatible, tu vois, ça serait testé. Et aussi le mode forestier dedans. Comme vous pouvez le voir, il y a même un port. Il y a beaucoup de routes, y compris les petits chemins de terre. Beaucoup de gens aussi, il y en a au moins une quarantaine. De toute taille. C'est une carte qui est vraiment particulière parce que il y a une partie à peu près ici sans zone montagneuse et le reste est une plaine vallonneuse. Et on peut même cultiver du trèfle et de la luzerne. Il y aurait un champ de rendu, vous voudrez que je revoie la texture de tout ça. Quoi d'autre? Oui, un détail important, c'est d'avoir le mode pour ouvrir les portes. Ici, on est sur une aire de stockage. On peut même ouvrir les petites portes. Voilà. Et malheureusement, on ne peut pas monter. Bon. Ah. Détail important, on peut aussi les petits porcelets. Un peu trop statique. C'est possible. À moins qu'il n'aura une autre place. Bon. Et ça, je sais pas du tout. C'est quoi qu'on dit? Ça coûte. C'est quoi ça coûte? Bon, c'est vrai que c'est tout en allemand. Parce que le modèle, c'est un allemand qui le fait. On peut voir ici. Ah, j'ai oublié l'avance. Bon, voilà. Ici, on peut voir l'emplacement pour l'engrais, la semence, la charrue. La maison avec une partie à ici, quand vous commencez à jouer, il y a une moissonneuse batteuse ici, que j'ai revendue pour un autre modèle que vous allez voir tout à l'heure. Un modèle historique allemand, pas allemand. Ah, je peux pas aller. Bon. Polonais. Je cherche un mot. Bon, nous allons faire un petit tour de la carte. Et
PDA doit être faite au point. Ouais. Excusez-moi, je suis en train d'utiliser. D'après la carte, il y a au moins trois fermes sur, sur cette carte-là, si c'est pas quatre. Certainement, il y a beaucoup de gens à acheter. Et de base, on en possède deux. D'ailleurs, je me demande c'est quoi. Bon, excusez-moi, j'ai les yeux qui me piquent. Bon. C'est quoi ce panneau? Ah. Un site naturel. Je me demande si on peut plus. Non, ça m'a l'air que c'est pas ici, mode forestier. Bon. En tout cas, il y a déjà beaucoup de récoltes à récolter d'avance. Chambler. En tout cas, c'est une carte que je trouve bien fait pour l'instant. Ah. Peut-être quand même pas mal de ça. Faut surtout pas tomber l'extérieur de la carte. Ah oui, souffle-moi. Ah, fi. Bon, quand même bien, bien fait.
tout à l'heure, qui me semblait être en papier. Commencez à faire un petit coup de la carte un petit peu plus bonheur, plutôt livre. Et j'ai trouvé une vigne en plastique. Ça, par contre, ça me semble être du houblon. Exact. Du houblon. Du houblon. Ouais. Et ce n'est pas récoltable, malheureusement. Bon, nous allons continuer. Parce que j'ai une moissonneuse à montrer tout à l'heure. Ah, d'ailleurs, je me demande si je suis capable d'ouvrir les portes. Non. Ah, je me trompe de touche. Non, pas celui-là. Il y a un endroit, une place que je suis capable d'ouvrir un petit cabanon. Bon, bon, sinon. Donc, ici, il y a un réseau de chemin de fer. Super, je me plante complètement. C'est ça que ça fait quand on joue au clavier. Enfin, pas mal, ce coin-ci. Ah, il y a déjà de la paille à ramasser ici. Je ne suis pas très sain. Bon, je suis dans le fossé. Bon, quand même bien fait comme ça. Il y a de nombreuses possibilités. Ah. Tiens, ça c'est intéressant. Une pause pour aller sous la voie ferrée. Bon, c'est fait. On va aller voir le premier emplacement pour Forest Mode. Bon, voyons voir ça de plus près. Ah oui, lui est prêt à couper. Ça fait qu'on peut faire un coupable ici. Bon, continuons. Ah, et si on passe par-dessus le tunnel,
Le champ fouet prêt à être récolté. Elle ne pas se planter dans la flotte, sinon ça va faire glu-glu. Ah, intéressant l'entrée de châssis et trapèze. Il y a beaucoup de petits chemins un peu partout. Alors on fait un petit tour à la plage. Serviette. Train, ballon, un petit ballon, non, c'est chiant. Il y a beaucoup de petits avions. C'est chiant ça, je flotte même pas. Normalement, quand on rentre dans l'eau, on est censé flotter. Surtout avec Farming, mais là, ouais. Les modèles mal faits, je vais vous dire. C'est pour un petit détail qu'il a oublié. Vraiment intéressant. En tout cas, ils vont mettre les liens dans la description, comme on dit. Au niveau Lego, j'ai pas joué les semaines, je suis pas capable de résorber la situation. Toujours un petit coup de merdier. Il a même bien fait. Ah, ici, champ de... Champ de trèfle et de luzerne. Voyons voir qu'est-ce que ça ressemble. Ah, c'est un champ de trèfle. Plutôt un carton, mais bon. Un autre forest mode, ce qu'on a là.
noix et betteraves à côté. Et là-dedans, moi, et je me suis trompé dans les touches, mais tout. Ici aussi, il va y avoir beaucoup d'arbres à couper. Pour faire des copeaux, des branches, etc. Moi, ça me dit moi d'un coup. Ça pas de l'air. C'est vraiment intéressant. Ouais, je suis en train de regarder les sons de là. Bon, on va faire ça plus vite. Parce que là, je pense que ça fait une demi-heure que je tourne. Je mets ça en croissant. Intéressant. Et mon champ de paille est récolté ici. Tiens. Et travaux ici. Traiteur bourgeois. Bizarre. Oups. Je suis satisfait de la carte. Ça serait à savoir s'il y a des boys qui... Mais on avait une ferme ici. Comme je vous l'ai dit, il y a à peu près 3 ou 4 fermes. Cette carte là par le fait même si compatible multijoueur ça va être super ici.
Il est persuadé que ça ne déboucherait nulle part. Ouais, il a tiré le dos de la prairie, ça arrive ici. Donc, bon, continue à faire le tour plus vite. Si je veux finir ma vidéo. Et je vais aller à la route principale ici. C'est une carte qui est sortie sur le site Montessori le 5 juillet, donc c'est tout récent. Ah ouais, il y a beaucoup dans le coin. Bon, mettons encore de douche. Voilà. Ouvrir. Ouvrir. Et oui. Voilà, trois portes. Ouais, c'est un stockage intéressant. Quand même beau. Ouais, je suis à peu près certain que d'après ce qu'il y a dedans, il y a une partie qui sert pour stocker les grains. Puis le restant, c'est la paille. Puis le seul moyen pour le savoir, c'est de voir un rayon, je me sens. Non. Ah. Et. Et long terre de stockage. On peut-il monter en haut? Non. Vu l'ensemble qu'on a bâtiment, c'est intéressant. Bon, continuons. Continuons ici. Et là, on rentre dans une zone. Montagnard. Ici.
En tout cas, pour les Renault de Suisse qui roulent présentement, les liens sont dans la description de mes anciennes vidéos. Ouais, ici, je pense qu'on est rendu dans une zone récente de la carte, parce que je trouve que... de carton. Ça a pas de l'air avec mon nom, quoi. Ok, c'est une petite femme. Bon, admirons la vue. Mais qu'est-ce qui me bloque? Ah. Ouais. Code carte. Merde, je suis... Ah, ok. Là, il y a une hauteur de stockage comme on a vu là-bas. Ouais. Ici, c'est une force mode. Bon, ça fait que sur ce, on va vous laisser. Non, mais bon, on va vous laisser sur ces paysages grandioses. Cette nouvelle carte. Voilà. De l'Inde. De l'Inde quoi. Je ne me souviens plus. Bon. Une carte à découvrir. Donc le multijoueur est à vérifier. Sur ce, à la prochaine. Bye. Oh, c'est l'Inde vers Canal, version 1.31. Bon, sur ce... Sur ce paysage de carte postale... Salut.